Hey, coucou tout le monde, qui m'emmène ici. Nous sommes de retour sur Vampire. Il va y avoir un chapitre qui aurait disparu. Tout simplement, c'est qu'avec les mises à jour de Windows, pas celui d'avril, mais j'ai eu un petit mise à jour là, j'ai perdu plus de 3 heures de vidéo. Je sais pas moyen d'aller récupérer. J'ai tout essayé. Boum. Alors, pour faire le résumé, c'est qu'on devait aller chercher un genre de médicament. Pour calmer un problème de son du jeu, génial. J'ai pas arrêté de voir de problème de jeu. Devait chercher des médicaments. Il y a eu un genre de. Il apprend des trucs sur des autres vampires qui sont pas comme lui. Et on a eu un John Doe qui était un mini-boss que je suis morte quand même 3 fois à essayer de le faire. Oh, voilà. Et j'ai passé près d'une semaine à essayer de récupérer les 3 heures de vidéo, plus d'autres trucs bien sûr, mais pas moyen. À un moment donné, je voulais parler avec une infirmière, voilà, infirmière en question, et j'ai eu un écran noir, rien du tout, plus moyen de la reparler. Le jeu, il m'a dit zut, je relance le jeu, et il m'a fallu plus de quand même presque 30 minutes pour relancer le jeu. Parce que chaque fois, il me disait prout. Alors, je ne sais pas si c'est les serveurs de Microsoft qui sont pas stables, est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est parce que mon Xbox est en train de mourir. Je sais pas. Alors, voilà le petit résumé de cette partie-là. J'étais à niveau 5, maintenant je suis à niveau 7. C'est vrai que vous avez pas vu, j'ai mis des nouvelles compétences. Voilà. J'ai mis ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, j'ai eu le bouclier. Et, ah oui, c'est vrai, vous ne le voyez pas non plus. J'ai le bouclier. Celui-ci. Non, celui-ci, je crois que j'ai augmenté. Je crois que je sais plus. Je sais que j'ai augmenté quelque chose, mais je sais plus quoi. Voilà, et j'ai cette arme aussi que j'ai mis. Celui-ci, c'est en second. Voilà les petites lettres que j'ai ramassées. Apparemment, il faut. Chercher, faire des indices parce que pendant le jeu, ça, comme on dit, c'est un vrai RPG. Bon, vrai, c'est un RPG. Et t'as les petits trucs sur le côté. Les skulls, par contre, ça s'est pas affiché en sachant que on vient de les découvrir, mais ça s'affiche pas. J'ai eu le papier, mais rien s'est affiché. Alors j'ai de nouveau, voilà le son bug. Le jeu n'est pas fini. J'ai l'impression que le jeu en réalité n'est pas fini, quoi. Alors là, on va ici pour aller chercher une dame, pour parler avec une dame. J'ai pas demandé. Ah bah voilà. Ah. Parler mais ah terminé. Ah, je suis en train de faire celui-ci. Ah, ça c'est pas mal, mission principale. C'est dommage que j'ai pas le truc pour les missions secondaires par contre. Ça aurait été chouette. Non. Oui, lui. Oui, c'était lui qu'on doit voir. Apparemment, il y a un problème. Il a tué quelqu'un. Il faut aller voir lui. Et voilà. Et j'essaie de lui parler. De nouveau, j'ai un écran noir et le mec s'est barré. Je voulais il s'était allé s'asseoir à côté d'un patient et j'ai pas su lui parler. Or. Mais là, le jeu m'a dit prout. Hein, voilà. Hein, j'ai encore trouvé celui-ci. Ah, parce que j'ai eu un petit truc par terre. Oh, voilà quoi. Oh là, maintenant, on va aller voir cette bonne femme qui est apparemment fragile, qui est 2 doigts de mourir. C'est une femme fragile. Crois-moi, les femmes sont pas si fragiles que ça. Au contraire! Et tout homme qui est en relation, qui est dans mes abonnés, qui est en couple, peut savoir qu'une femme n'est pas si fragile que ça. Surtout quand elle est énervée, qu'elle n'a pas envie de te parler, et qu'il lui demande quelque chose, elle te grogne dessus, t'es là, oupsie. Bah, tu sais, ah, voilà la dame fragile. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep.
I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. C'est pas elle la vampire? Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce. Ah, c'est vrai qu'elle est fragile, hein. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. J'aime bien parce que, dans le, comme je dis, vous ne le voyez pas parce que j'ai perdu le truc. Le docteur Swansea dit que c'est une dame fragile. C'est une vampire. En quoi elle est fragile? Oh, comme... Ouais. Tais-toi, Kim, et essaye de trouver les bons côtés de ce jeu. J'ai l'impression d'être manipulé. Oui. It seems I'm the butt of a joke. Or pigeon of a con. Ouais. Direct. Dr. Swansea might have told me who I was going to meet. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to contemplate the terrain. In this war, discretion is both weapon and shield. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Hmm. T'es un vampire, ici. Ouais. Pam, 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 Kim, t'es blippin. Patient en cause d'ennui, j'ai des questions à vous poser sur les vampires. Ouais, on va faire patient, hein. These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Ouais, on va dire ça, on va être gentil. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first... Prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Tu es un vampire. Quelqu'un me fait du chantage et moi je suis une vampire. Et il fait plus de chantage. Les autres questions avaient l'air bêtes. I'm your man. I'm your man. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Bah quoi? Attends, mais on gueule pas quoi. Attends, t'es un vampire, t'as des patients qui meurent et qu'il y a beaucoup de sang qui disparaît. Je te demande si c'est vrai et toi tu me dis, t'es sûr? Attends, je comprends pourquoi je suis agressif envers ce jeu parce que en réalité même les personnages soi-disant principaux sont agressifs envers moi. Alors, comment veux-tu que je sois pas agressif envers toi?
Je crois que ce jeu n'est pas fait pour moi, en fait. J'ai juste besoin d'informations. Voilà, c'était ça le truc, quoi. Et tu sais... Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Ruth. Vie ou réputation? Life or reputation? But I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regard to your condition. T'es un vampire, ma fille, purée, quoi, y a quelqu'un qui... Attends, si toi, tu n'arrives pas à trouver qui te menace, comment, qu'est-ce qui te fait dire que moi, je vais savoir en sachant que t'es un vampire beaucoup plus âgé, beaucoup plus expérimenté que moi? En fait, j'ai l'impression que ce jeu te prend un peu pour un débile, en fait. Non, tu ressembles pas à Tippings. Parce que je l'ai encore trouvé Tippings, moi. Aussi, moi. Bon, et où cette infirmière qui a toqué sur ma porte sur la partie qu'on ne verrait jamais, qui m'engueule. Limite, franchement, elle frappait sur ma porte comme si, tu vois, comme si c'était ta mère, là, dans... Quand t'as ta première sortie, qui t'engueule parce que t'es en retard, ou que t'as fait une bêtise, là, et le seul truc que t'as envie de faire, c'est de dire... Oh. C'est pas l'infirmière. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swanson? Ah. Oh, est-ce que je le fais? Oh, j'ai envie. J'ai envie. Ah, c'est une vieille dame. On va être gentil. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defense. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Oh. Harriet Jones. Indeed. Quoi, je t'ai menacé? To have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's vein. En quoi je t'ai menacé? J'ai juste demandé que vous vous calmiez. Si j'aurais dit tais-toi là, d'accord. Mais je t'ai même pas menacé, toi. Attends, les dialogues ne correspondent pas du tout à ce que, qu'est-ce que nous on choisit, quoi. Je suis sympa, je te demande de vous calmer gentiment, calmement, en disant que je viens de la guerre, et toi tu me dis, ah, vous me menacez. J'aurais dû dire tais-toi. Non, c'est... Oh, my God. Et je parie que si j'avais dit tais-toi, elle aurait été calme. J'ai l'impression en réalité que c'est un peu inversé. Tu es gentil, tu es calme. Il te crie dessus, il te menace. Mais quand tu es direct, ils sont là, comme un petit chiot. C'est comme... J'arrive pas... Oh, oh non, franchement, je n'arrive pas avec les dialogues. Le gameplay, il est génial. Ok, c'est intriguant. Mais les dialogues dans ce jeu ne correspondent pas du tout. En quoi je l'ai menacé? Explique-moi. Oh, qu'est-ce qu'on va encore me dire? C'est encore... ah oui, c'est l'américain anglais. Tu sais quoi? Voilà. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then?
Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Wait, really? J'essaie, hein. Il y avait... C'est vrai que... Ça m'embête que le pire, c'est que je ne pourrai pas... Je peux refaire le jeu à zéro pour arriver au point où j'étais, mais il y a eu des moments où j'ai eu peur. Ah, ça m'a fait un peu peur, et c'était génial, mais je ne vais pas réussir à recréer ce que j'ai eu, ce que j'ai ressenti, quoi. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Oh, well, so. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. On va un peu calmer un peu. Quelle est la situation ici? On va voir. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. They are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. Ça a failli. But what if this epidemic was worse? What if in the end nobody was spared? Bah c'est vrai qu'à l'époque il y pensait quoi. Non, je vais pas dire ça. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay. Ah ouais, il me faut l'indice là. Ça veut dire que je suis obligé. Mais je viens de... It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Mais promets que j'ai pas de. Ah, est-ce que ouais, on va le faire. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, doctor. She's full of fanciful tales. Elle a pu dire la vérité. Mais ce mérite votre aile. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her?
Hate is what keeps that old crone alive. sympa, toi. Ouais, vraiment. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Ooh la la. Goodbye, Nurse Hawkins. Ok, maintenant Dorothy. Elle a l'air d'être dure. Ah, quoi que. Non. C'est toi? Good evening. Oh. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon. Je crois pas que c'est toi. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. C'est le cas, ouais. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Ouais. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Ah bon? Pourquoi? C'est une première, ça. That stands out. Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a bah ouais. I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct. But in the end, everybody is doing their best. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from the... Ha! I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Branigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Ha! 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 Parce que je suis en train de faire l'autre enquête. Je devais pas. Ok. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Branigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Hey, up. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Yes, sorry. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Au revoir. Call me if you need assistance. Non, tu m'appelles pas si t'as besoin d'un coup de main. Miam, 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 miam. Elle a l'air d'être en bas. Qu'est-ce qu'elle fout en bas, elle? Continue comme ça, je te mange.
J'aime bien avoir ce pouvoir. Ah, je peux... Oh. Ok. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the... Un membre de gang. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Huh? Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. C'est son amoureux? C'est son frère? Il marche bizarrement. Attends, elle est juste là derrière toi, hein? Tu vas me dire qu'elle a déjà disparu? Really? 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 C'est un vampire aussi, elle arrive à disparaître en 30 secondes? Elle arrive à disparaître dans 30 secondes. Comme j'ai dit, j'aime bien l'histoire du jeu. Il a l'air intrigant. Mais il y a certaines choses qui sont un peu énervantes. Que j'ai du mal à... Franchement, j'ai du mal, en fait. Ah, bah, c'est vrai que... Bah, pendant les moments de combat, c'est génial, c'est intense. Le fait qu'on peut tout casser, quoi. Ça, c'est cool. Je sais pas pourquoi je casse tout, mais c'est pas grave. Zelda! Youhou! Je suis en train de laisser mourir, moi. Pas mon problème. Il devait pas venir ici. Il vient de crier ici, dans cette pièce. Ah, tu crois? Ah bah voilà. Ah, il y en a un là. Bah, oh, niveau 8. Ah, les combats sont géniaux. Le système de combat est génial pour un RPG. Genre vampire comme ça. Qui doit pas être évident quand même à faire, hein. Bah, dans mon casque, ça a l'air d'être ici. Le bruit. Ah! Allô? Ah, c'est derrière moi, le bruit. Pourquoi j'entends un loup? Citoyen en danger. Ah, où ça? Je peux le sauver? Billy! Tiens, prends
ça, toi? Tu crois quoi, toi? C'est moi le prochain chef de vampire. Et la porte se referme. Why? I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, yes, I do. Good. Au revoir. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better. Je vais pas lui poser la question, qu'est-ce qu'il fout là? Non? Ok, bon, il bouge pas, ok. Ok, bon, ça c'est une première. Ça c'est pas mal ça, il bouge, il part pas. Il reste là, tranquille. Ça me dire non. Quoique, je vais peut-être rester dans ma cage. Là, je suis sûre de pas crever. Ok, bon. Bon, j'ai sauvé un citoyen. C'était pas du tout dans mon but, mais c'est pas grave, je suis gentil quand même. Ah, cette partie-ci, j'adore. Oui, oui. Tiens, prends ça. Je fais ça. Et je fais ça. Oh. Ah ouais, non, je peux manger un rat. Nouveau objectif. Ouais, ouais, oh, 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 oh. Pas trop d'objectifs en même temps, sinon ça se terminait comme Skyrim, hein. C'est vrai qu'il faut que j'augmente un peu mon sang. Allez! Viens là! T'as à manger! Beware! Ok! Oh gosh! Ooh. Oh, ça sent le boss! Ça sent un boss! Ah non! Je vais mourir de nouveau! Un loup-garou? Un loup-garou? C'est une blague? Loup-garou. Hey, oh, wow. Couche-couche panier. Couche-couche panier. Couche-couche panier, j'ai dit. Couche-couche panier. Wow, c'était quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Wow, 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 wow! Couche, couche, panier, j'ai dit chien! Vraiment, je l'ai raté? Tu fous de moi ou quoi? Allez, bouge! Qu'est-ce que tu me fais là, rester devant comme une nuque? Encore un coup! Voilà, allez hop! Non, 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 non.
Mange. Encore un. Mais t'es biaise ou quoi, toi? Oh, wow. C'est un loup-garou. Il y a des loups-garous dans le jeu. Ah, zut. Ok. Some voucher for a free check-up in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Bon, j'ai compris ce qu'elle fait. Elle est en train de nourrir la bête des égouts. Qui est un loup-garou. Regardez-moi ça. Eh, je savais pas qu'il y avait des loups-garous dans ce jeu. Génial. Ok, tu viens justement de monter dans mon estime. Ce jeu vient d'augmenter... Ouais. Il y a des loups-garous. Moi, je suis preneuse. C'est bon, c'est fini. Voilà. Et tu vas voir qu'avec le bol que j'ai, ça va être le dernier. Bonjour! Yam yam! J'ai besoin de manger, moi. Bon, maintenant, je te tue, par contre. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi, j'ai... D'accord. Paris que... Bon, je parie qu'il y avait un cinématique ou quelque chose là, et moi je vais directement dans le truc pour essayer de le tuer direct, sans problème. Oh. Allez, fonce! Soyez complètement folle, on fait pas ce qu'on doit faire comme étude pour savoir ce qu'on fait ou quoi, qu'est-ce, comment, on le tue, on y va et on tue direct. Je parie que j'ai raté, moi tu es du complot du jeu. En faisant ça. Bon, c'est pas grave. Et l'autre, il a réussi à sortir ou pas? Laisse-moi deviner, cinéma... Ah, un chargement. Ah bah oui, il faut un chargement, oui, il faut vraiment un chargement, oui. Il y a mon chien qui est en train de me regarder en l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit, ma mère? Elle est folle. En plus, il est rasé, il a plus les longs poils. Tu t'es rasé, on t'a rasé pour l'été, hein. T'es mignon, hein. Il dirait un petit chiot, maintenant. On t'a rasé. Par contre, je t'appelle pas alors. Hein. Allez, fais doudou. Non, oh, come on. Mais maman, je t'aime, maman. Je suis un petit chiot tout mignon depuis que tu m'as rasé. Le pire, c'est qu'on le rase pour éviter qu'il ait la chaude dans l'été. Tu devines quoi en Belgique, il fait froid. Ah, mon cœur. J'ai ta truffe. Chargement, tu le jeu. Chargement, tu le jeu. Oh, tu es mignon. Tu es mignon. Maman. Chargement, tu pas le jeu. Chargement, tu pas le jeu. Allez, on y va. Hop. On va aller voir cette nurse machin infirmière là. Ah oui, si je peux. Ah oui, c'est vrai, je peux pas utiliser mes super pouvoirs. Come on! Je viens de passer plus de 30 secondes pour un chargement. Ce n'est pas un jeu en ligne! Oh, come on! Mais elle se trouve où? Quoi, là-bas?
Qu'est-ce qu'elle fout là-bas, l'hôpital ici derrière moi? Ah non, il y a des... Ah, mais il y a des trucs partout, d'accord. Enter at your own risk. Ok, entrez au risque-péril.